si vous examinez en profondeur vos motivations, ce qui vous permet de vous lever le matin, eh bien, quelle que soit la situation, vous allez avoir envie de vous lever le matin. Tu es en train de me dire, Franck, que même si une journée de merde qui m'attend, je vais avoir envie de me lever? Absolument. Non, je ne suis pas d'accord. Ok, je donne un exemple. Un exemple très simple. Tu es marié avec l'homme ou la femme de ta vie. Ouais. Tu vis dans un quartier de merde. Ouais, c'est quelqu'un. T'as pas d'argent. Ouais. T'aimes pas ton métier. Ouais. Ouais, bah ça tombe bien aussi. Tu es trop taxé par rapport à l'État. Ouais, ça c'est vrai. C'est fou hein, que t'arrives à deviner tout ça. Hein. Ouais, ouais. Tu trouves que ton premier ministre ici au Canada ou en Europe, je sais pas où est-ce qu'il est, ou votre président, présidente, il fait pas son travail. Il travaille que pour les riches, pas pour les pauvres. Il fait rien pour les pauvres et tout pour les riches. Ouais, bah oui, c'est fou ça. Hein, t'es devin ou quoi? C'est fou ce gars, il est génial, hein, je l'aime. Hein. Très bien. Bah tu dois avoir envie de te lever le matin et c'est possible. Ben là, je ne comprends pas toujours. Parce que tu dois nourrir tes 3 enfants qui comptent sur toi. Et que ta vie, c'est ta bataille. Et que tes enfants font partie de ta vie. Et ce n'est pas juste mon fils et mes enfants, ma bataille. Oh. C'est-à-dire que quand vous analysez la raison pour laquelle vous vous levez le matin, ce vers quoi vous tendez dans la pensée, ce vers quoi vous focalisez, vous focussez, va tout modifier dans votre mental. Parce que vous savez pourquoi vous vous levez le matin.